Allez, salut tout le monde, c'est Taz Récupération. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 270, pardon, de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent. Nous avons commencé le scénario, les gardiens du triangle sacré. On avait vu l'objectif pour la Scutulador. Donc voilà. Dites-vous que l'objectif de la Scutulador sera très difficile, dans le sens, je ne connais très peu le scénario. Et donc du coup, en fait, il faut vite se dépêcher. Il faut éliminer la barre, il faut éliminer la moitié de la barre de vie de Ganon Spectral, et ça va être une horreur. Donc voilà, ça va être très difficile à le faire. J'espère que voilà, ça va pas me jouer des défauts. C'est honnêtement un scénario assez complexe et j'espère honnêtement y arriver. Donc je vais ordonner à Link d'aller ici, mais je crois que c'est pas une très bonne idée. Donc on va aller vite aller avec Tetra en priorité voilà, ici. Allez voir Sia parce qu'il y a 50 trucs à faire. Logiquement, est-ce qu'elle pourra oui, elle pourra. Elle pourra. Donc, on va aller avec Sia, avec Tetra ici. Et avec Link, on va vite sauver le fort du haut. Parce qu'on avait activé avec Lana le petit passage. Et du coup, voilà. Allez, Link. Donc, c'est parti. Sachant que là, on a débloqué le truc avec, avec Lana. Donc, Lana aussi va pouvoir aller aider tout simplement Sia. Voilà, j'avais oublié son petit prénom. Donc on va aller vite assister Sia, enfin surtout éliminer tous les mobs possibles. Merci. Ok. Attention. Ok, la pousse des arbres ont relié deux chemins. Ok. Oh oh. Par contre. Voilà, je me disais, il y avait un autre gros bin, je crois, non? Ok. Ok, ça c'est fait. Merci. Risque de chute de la base alliée. Donc on va aller vite avec Lana. Vite. Oui, parce que là ça peut être très problématique, je vous le dis. Ça peut être très problématique. Oh oui, oh lolo. Bon bah écoutez, là on va se faire un gros plaisir. On va tout éliminer d'un coup. Voilà, parce que là il le faut. Voilà. Allez, on se refait un autre coup, hein, parce que là, voilà, même lui à gauche, il a été compté vu qu'il est illuminé en blanc. Voilà, boum. Hop. Merci. Et voilà, et un de fait. Par contre. Hop. Merci. Et slash. Merci. C'est bon? On les a calmés un peu là? Merci, oui là, parce que là vraiment il faut commencer à calmer les ardeurs de tout le monde, je vous le dis. Voilà, on va éliminer aussi plein de personnes. Parce que là le problème est le suivant. La porte de la base ennemie sont ouvertes. Et j'espère qu'ils vont pas se déplacer. Normalement, si mes souvenirs sont bons, le Ganon Spectral se déplace au milieu. Mais je crois qu'il n'attaque pas si personne va au milieu. Donc en fait il faut vraiment faire en sorte que nos alliés ne vont pas au milieu. Mais le problème c'est que va contrôler un fort toi. Va vraiment contrôler un fort, c'est impossible en fait. Donc j'espère qu'ils vont être intelligents, ils vont pas aller au milieu. Fantôme de Ganon. Ok. Tac. 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 Et boum. On a vraiment fait le ménage, hein. C'est un truc de dingue. Hop. Voilà, et il se déplace au milieu. Normalement, il devrait se déplacer qu'au milieu. Donc on devrait pas avoir de soucis. Par contre mon truc il saute, ça me gonfle. Voilà, normalement ça devrait. Ah non, c'est vrai que c'est Sia qui se déplace. Enfin c'est Sia le problème. Oh oui, c'est Sia, j'avais oublié le problème. J'avais largement oublié. Donc ça veut dire qu'on peut pas. On peut pas tout prendre avec les autres personnages, c'est impossible. Bon ben ok. Pourquoi pas. Et boum. Ok. Hop. Merci. Sachant que Spectral Ganon commence à avancer vers moi. Et j'aime pas du tout ce qui se passe, hein, je vous le dis. Voilà, ça on s'en fout. Lui pour le moment on s'en bat les couilles.
Elle est folle, si elle va vraiment vouloir se confronter à lui, quoi. Ok. Merci. Bon. Bon. On va aller vite avec Lana contrôler le fort du bas, parce que là, ils sont en train d'être dans une situation que je commence à ne pas très bien apprécier. Hein, je vous le dis. Regardez bien. Voilà, toi, c'est bon. Jeté. Merci. Et tout le monde est en train d'affronter Ganon Spectral, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire, cette histoire. Donc, on va devoir affronter Ganon Spectral, pas le choix. Donc, on va vite faire venir Lana avec nous. Allez, go! On reste concentré, hein, je vous le dis. Faut vraiment pas perdre la... Allez, hein. Okay. Merci. Ok. Attention. Merci. Ok, donc toi tu dégages. Aïe. Ok, toi tu dégages. Boum. C'est bon. On... Est-ce que on l'aurait eu? Là, ce que tu l'adores, on l'aurait presque eu. Donc je sais comment, honnêtement, on aurait pu l'avoir. Merci, toi c'est fait. Toi c'est fait, on te nique. Ok, bon bah finalement on l'aura pas niqué. Ok. Regroupez-vous immédiatement, c'est fait. Toi tu dégages, merci, ça serait sympa. Ce serait bien qu'on l'a avec Link, comme ça au moins on est niveau 80. Bon par contre honnêtement ce serait bien que... Eh hey, eh hey. Oh oui. On va pouvoir accumuler assez de puissance. Enfin, une flèche de lumière dans directement sur lui, comme ça va bien l'affaiblir. Ne regène plus son énergie vitale. Allez, go. Merci. Attention. Oh, ok. En fait, c'est assez débile comme truc. Oh, c'est sérieux? Boum. Allez. Merci. Ok. On est en train de le niquer, non? Oh oui, on est vraiment en train de le niquer. Boum! 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 C'est bon. Allez, dis-moi qu'on l'a. Boum! C'est bon, on l'a. Bon, en fait, on l'aurait presque eu. En fait, il fallait juste que je sois concentré parce que je savais même pas comment le battre. Donc honnêtement, il est possible, même à mode difficile. Il faudra juste savoir comment s'organiser parce que je ne connais pas du tout le scénario. Et c'est sur une map de base assez difficile parce que je connais pas scénario. Donc voilà quoi. Hop. Et bon là, niveau 80, nous l'avons battu. Bon bah écoutez les amis, c'est fait pour cet épisode 280. Bon bah honnêtement, je m'attendais pas que... Enfin si, mais quand même. Ça veut dire que là, normalement on est samedi à l'heure où je vous enregistre cette vidéo. Donc demain on peut commencer déjà la toute première partie du premier scénario. Du mode difficile avec du coup de la Tramero tout simplement pour récupérer la sculpture d'or. Ça c'est parfait ça. Ah oui, elle est magnifique. Ah Yuri, ah Yuri. Le gars, totalement fou. Ah, une orgie. Le gars totalement fou. Oh là là, non, ça va sans façon. Bon. Alors là, nous l'avons fait, ce mode normal, les amis. Donc nous avons terminé une seconde fois le mode... le mode de difficulté. Enfin, nous avons terminé une deuxième fois ce mode légende, tout simplement. Bon, nous avons terminé quand même... pour une deuxième fois ce mode légende, quand même. Il nous aura pris du temps, hein. Hein, deux sessions pour le faire. À mon avis, ça va être pareil pour le mode difficile. Ça va sûrement nous prendre deux sessions. Mais voilà, dites-vous que... Et ben voilà. Oh, c'est magnifique.
ils ont vraiment bien joué. Ils ont vraiment bien géré, bien développé, level design, les cinématiques. L'ambiance, c'est juste dingue, le shading. J'aime énormément ce jeu, je pense que ça se voit. Je pense que ça se voit. Et voilà, nous avons les crédits du jeu pour, pour la deuxième fois, les amis. C'est juste dingue. Les amis, je sais pas quoi trop vous dire parce que j'ai quand même envie de vous laisser simplement ces crédits là. Donc j'espère quand même que cet épisode vous aura plu, que tout simplement vous aurez pris du pied. Hein, ça nous fait, regardez bien, le bon nombre de vidéos, avec un chiffre rond, 260 pour en finir tout simplement avec ce mode normal. Alors évidemment, on l'avait coupé en plusieurs sessions parce qu'on avait fait déjà, entre temps on avait fait le mode aventure et tout ça. Mais voilà, dites-vous que c'est vraiment un point très positif de terminer encore une deuxième fois ce mode légende, tout simplement. Une deuxième fois, hein, c'est juste dingue de se dire que ce jeu, on l'apprécie autant. Je me souviens de l'épisode encore, 89, je sais plus. Non, je crois que c'est 80. Attendez, 140, 180, 200. Non, c'est bien ça, l'épisode de 88 dans lequel nous avons terminé 90. Non, c'est l'épisode 90. Donc c'est l'épisode 88. Donc oui, je m'en souviens encore de cet épisode 88 où nous avons terminé pour la première fois ce scène. Le mode légende, tout simplement. Ce qui nous a permis, tout simplement, après, de nous lancer pour le mode aventure, hein, découvrir une toute nouvelle contrée, un tout nouveau défi. C'est juste dingue. Honnêtement, ce jeu, il a tout pour plaire. C'est un jeu, certes, très fan service, mais dites-vous que voilà, c'est ce qui fait kiffer. Vaut mieux les jeux fan service que des jeux qui puissent pas plaire à beaucoup de personnes. Moi, je suis totalement. Honnêtement, je suis totalement pour, en fait. Je suis totalement pour Hyrule Warriors. C'est toujours un jeu qui m'a attiré. Et voilà, et c'est pas pour rien que je vous en filme 260 épisodes encore aujourd'hui. Et le let's play continue. Hein. Là où on dirait que qu'on a fini le let's play, mais non, le let's play évidemment continue. Hein. Le let's play continue pendant longtemps. Très longtemps. Je sais même pas quand, mais très longtemps, dites-vous. Donc voilà, bah écoutez. Écoutez. In this way, peace returned to Hyrule. Jusqu'à Breath of the Wild. Vraiment jusqu'à Breath of the Wild. Resume their roles as guardians in the Valley of Seers. Power. Wisdom. Sylana derrière Zelda et Link. Ils ont vraiment, c'est rien, c'est quand même parce que j'ai pas bougé le truc depuis longtemps. Même les illustrations, c'est magnifique. Honnêtement, c'est rempli d'émotions. J'aime beaucoup. C'est vraiment rempli d'émotions. C'est vraiment un jeu dans lequel j'adhère totalement. Alors, logiquement, la sculpture d'or, on aurait pu le faire, honnêtement. Enfin, dans le sens, si on l'aurait, on aurait été en mode difficile, honnêtement, c'est jouable. Il faut juste être organisé. Tout simplement, il faut juste être organisé. Donc, nous avons obtenu cette arme. Rapière scintillante, 165k de dégâts. Attaque forte 4, attaque forte 5, éléments lumière. Épée du héros, 80 de dégâts, slot vide. Baguette de feu, 80 de dégâts, attaque forte 2. Baguette de feu, encore une deuxième fois, 96 de dégâts, 3000 ennemis requis. Rapière scintillante, encore une seconde fois, 150 de dégâts, attaque forte 2000 ennemis requis, slot vide. Dragon Mojo, 96 de dégâts, slot vide. Et voile rapide, 565 de dégâts, éléments haut, étoile plus et slot vide. Pour une cape de fantôme de Ganon, 19 cornes de monstres, 6 épaulettes de gros blin armés, une cristalline de Goma, une lanterne d'âme, un sport toxique de mandala et 7 colliers d'âme. Et du coup, nous voilà sur l'écran de titre. Alors du coup, on va tout simplement jeter un coup d'œil et regarder bien ce mode normal et compléter. Donc ça veut dire que l'épisode prochain, les amis, sera consacré au mode difficile tout simplement du premier scénario
du jeu, hein, tout simplement, et de la trame héros, l'attaque des ténèbres qu'on refera en mode difficile, et cette fois-ci, on fera également la Sculptulador, tout simplement, ce qui est requis, dans lequel il faut utiliser Link, tout simplement, parce qu'il faut utiliser tout simplement son épée à une main. Donc on prendra la meilleure, on n'est pas obligé de prendre celle qui est mentionnée là-dessus. Il faut juste prendre une épée à une main. Donc on prendra la meilleure que nous avons. Il y en a une 200, voilà, par exemple celle-là c'est la best. Donc on prendra honnêtement celle-là. Donc voilà, comme ça au moins autant faire les choses normalement. Donc ça veut dire que c'est demain pour vous, hein. Demain, déjà première partie de ce scénario, je pense qu'il sera également en deux parties. On va quand même aller voir au marché couvert, savoir si est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pas en termes de badge. Pour le moment, on peut rien faire. C'est encore c'est encore triste. Gant Crestou 1 permet d'infliger de faibles dégâts aux ennemis quand ils se protègent. Cela requiert 3 épaulettes de Groblins sur 6 et 2000 rubis. Gant Crestou 1 va te créer. Voulez-vous continuer? Toujours, je pense, ennemi. Le badge Gant Crestou 1 a été créé. Botte Désert 1 augmente un peu le temps de libération du pouvoir magique. Cela requiert 2 épaulettes de Groblins armées sur 3 et 500 rubis. Botte Désert 1 va te créer. Voulez-vous continuer? Oui. Le badge Botte Désert 1 a été créé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre? Non, on dirait pas. Ici, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre? Avec la cape de Ganon, tiens. Si on peut rien... Ah, si, avec... avec Link... Cartoon. Larve de Guêpe 1 augmente un peu l'efficacité des objets de régénération. Cela requiert un épaulette de Groblin sur 1. Enfin, un épaulette de Groblin armé sur 1 et 500 rubis. Larve de Guêpe 1 va être créé. Voulez-vous continuer? Oui. Le badge Larve de Guêpe 1 a été créé. Ok, est-ce qu'on peut faire autre chose? On dirait pas. Et ici, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On dirait pas non plus. On dirait vraiment pas. Bon, écoutez. ok. Alors, on est niveau 80. Écoutez avec Link. Voilà, on est enfin niveau 80. Une nouvelle dizaine encore de franchis pour ce personnage. Sachant que l'objectif est de monter l'intégralité des personnages aussi 255. Donc nous avons également des rubis pour ça. Mais les rubis fait pas tout. Hein. Il faudra vraiment l'augmenter de façon conséquente au niveau maximum. Donc c'est le seul perso que nous avons pour le moment. Si on compte, si on exclut Ganon et la cocotte. C'est le seul perso que nous avons le plus haut. En termes de niveau, donc vraiment c'est notre main, on va dire, notre main, tout simplement. Sachant que la prochaine fois, il faudra l'utiliser de toute manière pour le mode difficile. Donc voilà, écoutez les amis, moi je m'arrête là pour cet épisode. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve du coup demain pour l'épisode numéro 271. J'avais dit 260 en fait tout à l'heure quelconque, 270. Donc 271. Pour tout simplement continuer ce mode légende, alors on va dire le recommencer une autre fois à mode difficile pour obtenir la Sculptulador, tout simplement. Ça va me faire bizarre, hein, ça va me faire bizarre, mais bon, il faudra quand même, donc soyez attentifs, sachant que du coup on franchit encore une nouvelle dizaine et qu'on va passer encore plusieurs épisodes jusqu'à l'épisode 289 dans ce mode légende, donc préparez-vous. Pour les gens qui attendent du mode défi ou en tout cas autre chose que le mode légende, dites-vous que ça arrive à l'épisode 290, sachant que l'épisode 290, il y a au moins 5 épisodes consacrés au mode Ganon et 4 épisodes, je crois que c'est ça, 4 épisodes, en gros 290, 91, 92, 93, même voire 94. Donc pour le mode Ganon, Fury tout simplement parce qu'il faut l'augmenter de niveau, et après 95, 96, 97... 98, donc 4 épisodes dans le mode cocotte, tout simplement pour commencer un petit peu les scénarios en mode pour commencer ce fameux mode défi, et ensuite nous partirons en direction du mode aventure. Voilà, au moins vous êtes au courant. Donc moi je m'arrête là et je vous en remercie vraiment de m'avoir suivi pour cet épisode, et dites-vous que l'aventure fait encore que commencer, parce que le let's play, même s'il commence à progresser, hein, dites-vous que quand même c'est un let's play certes très long, mais on commence à vraiment à aller dans les épisodes de façon absurde. On ira, voilà, je sais pas où on en sera à l'épisode 500 par exemple, mais ouais, on peut se dire qu'à l'épisode 270, bientôt l'épisode 300, dans pas très longtemps, j'abuse, mais dans quelques semaines, voire quelques mois,
on sera arrivé à un stade dans le jeu, peut-être de façon, enfin, un bon stade dans le jeu. Et voilà, dites-vous que c'est un let's play qui n'est vraiment pas prêt de se terminer. Et puis voilà. Bon, moi, allez, je m'arrête là pour vous. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.